La diversité n'est pas une option. Le sommet de l'inclusion économique 2022, organisé au ministère des Finances par la Fondation Mosaïque sur le thème « Agir avec impact », a réuni plus d'une centaine d'entreprises, institutions et associations prêtes à s'engager en faveur de la diversité et de l'inclusion économique. Et 10 000 décideurs se sont mobilisés à cette occasion. Je suis venue aujourd'hui pour m'inspirer, trouver les bonnes pratiques, voir qu'est-ce que je peux mettre en œuvre au sein de ma société. Je crois que le succès de Kiribati, c'est lié à sa diversité, mais on peut toujours aller beaucoup plus loin. Donc je suis venue aussi trouver des idées. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce sujet devient une évidence par rapport à il y a 15 ans, mais c'est loin d'être gagné et que si on ne se saisit pas de ce sujet-là, on va être en décalage par rapport à son marché, par rapport à ce qui est attendu d'une entreprise citoyenne. Je sens qu'il y a une ambition qui est montée, je sens qu'il y a une envie de collaborer et je sens qu'il y a une envie de réussir. Près de 50 plénières et ateliers ont eu lieu dans les locaux du ministère à Bercy. L'occasion de partager des pratiques et de confirmer des engagements forts en faveur d'une société plus inclusive et pour faire avancer ce sujet créateur de valeur pour l'économie de notre pays. Le gouvernement est totalement mobilisé pour valoriser les talents de notre pays, quelles que soient leurs origines. Le succès de la diversité doit venir des équipes, des collaborateurs, doit venir également du management. Je trouve que c'est encore plus puissant quand c'est diffusé au sein du cœur de l'entreprise, à savoir ses produits. Penser les roadmaps de nos produits en y insérant la notion de diversité, c'est ça qui fait la puissance et la diffusion au sein de l'entreprise. J'aime les aventures humaines, les histoires humaines, et là je trouve que c'est un carrefour justement qui provoque ça. Le sommet de l'inclusion économique, ce sont également des moments d'échange entre des talents et des entreprises engagées. Pas moins d'une centaine de tables rondes pour découvrir des dizaines de métiers, mais aussi des rencontres d'exception entre des CEO et des alumni de la Fondation Mosaïque. En parallèle, un forum dans les travées de Bercy a permis de nombreux entretiens de recrutement concrets. À titre d'illustration, les entreprises parties prenantes du sommet de l'inclusion économique ont réalisé plus de 50 000 recrutements inclusifs cette année. Le sommet de l'inclusion, c'est vraiment important. On n'a pas souvent la chance de discuter avec des recruteurs et des dirigeants en face à face. Ce qui, moi, me porte, c'est la part de la mission sociale des entreprises. On va essayer de faire du buzz sur toutes ces entreprises qui recrutent, qui sont dans des positions d'ouverture forte et surtout qui ont compris, en fait, avant les autres, que la diversité, c'était une source de performance économique. Et la nouveauté cette année, ça a été aussi d'embarquer les entrepreneurs. On a lancé un fonds de financement dédié à l'entrepreneuriat. Les porteurs de projets et les entrepreneurs issus du quartier populaire ont besoin de notre soutien. Moi, ce que je retiens de cette journée formidable, c'est qu'il y a une attente de la part des entreprises. Quand j'entends les entreprises exprimer des objectifs de recrutement à 15% sur leur volume, eh bien, il va falloir mettre le paquet aussi dans cette direction-là. Donc, le sommet se décline dès demain en mouvement de l'inclusion économique avec des entreprises, des associations, mais également les pouvoirs publics qui doivent aussi faire leur part. Donc rendez-vous la prochaine fois à l'Élysée. Je vous accueille et on lance de nouvelles initiatives. Ne lâchez rien. Je suis assez étonnée déjà du sourire. La plupart des personnes ici, ça change des événements habituels, hein, et je trouve que ça donne du panache. Hein. La diversité, c'est le panache pour moi. Et c'est ce qu'on retrouve tout au long de la journée. Ça m'a donné envie de poser la question, et vous faites quoi dans la diversité? Ça, c'est un réflexe que je pense conserver dans la durée.